Hey les amis, c'est Xenoster et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms. Alors comme promis, on se retrouve sur le Kill Event qui a démarré cette nuit. Donc plusieurs petites batailles bien sympas, du kill farm comme on connaît bien, mais aussi des troupes mortes. Et oui, évidemment, parce que quand l'hôpital est plein, qu'on n'a plus les accélérateurs, ben, on a des morts. Bon, ça arrive, c'est pas grave, ça se refait les troupes. Donc pour présenter un petit peu le Kill Event, donc c'est plutôt costaud là, ce coup-là. Voilà, pour l'instant je suis 7ème avec 12,4 millions et au général 9ème avec 20 millions de points. C'est pas énorme, les points sont pas dingues, mais la marge est quand même assez haute pour atteindre le premier. Ok, donc je voulais vous montrer une petite technique, enfin plusieurs petites techniques. Je vais vous expliquer un peu comment on fait le kill event et comment gagner des points entre guillemets facilement. Mais il faut savoir que un point gagné, c'est des troupes à l'hôpital obligatoirement. Il ne faut pas avoir peur de soigner ses troupes et de les mettre à l'hôpital. Déjà, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est quand on soigne ses troupes, on y va 1000 troupes par 1000 troupes. Parce que déjà, vous n'utilisez pas d'accélérateur. Grâce aux aides d'alliance, vous allez pouvoir soigner tout le monde. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est plutôt cool pour le moment. Il y a les combats à ranger pour gagner des points. Vous voyez avec quelqu'un et vous tapez, vous faites un 1 contre 1. Bon, là vous allez prendre beaucoup de blessés graves, mais vous allez en mettre aussi beaucoup, donc beaucoup de points à la clé. Mais faut pas avoir peur non plus, encore une fois, de mettre des troupes à l'hôpital. Deuxième point, vous dézoomez. Attention aussi à bien lire les règles du royaume, parce que chaque royaume a une règle différente. Par exemple, nous dans notre royaume, là dans le 413, c'est... Pas d'attaque en zone 3, que ce soit sur le farm, etc. Vous avez le droit de vous arranger des combats. Comme là on fait, on s'attaque en zone 3, on a arrangé les combats, donc nos problémos. Deuxième chose qu'on peut faire, on va aller chercher plutôt une mine ici par exemple. Hop, on va zoomer dessus. Vous voyez les petites parcelles de bois d'alliance, les mines d'alliance, etc. Vous cliquez dessus, vous voyez, il reste temps. Genre quand il reste 15-20 millions, vous surveillez et au dernier moment, vous téléportez votre ville à côté et vous allez taper les gens qui sortent. C'est pas cool, mais nous, ce qu'on veut, c'est des têtes de commandants légendaires. On veut faire des points, alors on les arrache tout simplement. On arrive, on tape. Moi, je vous conseille quand même de mettre de la cavalerie, beaucoup de cavalerie. La cavalerie, en fait, le truc, c'est que ça va mettre beaucoup de dégâts de compétences, donc ça va faire beaucoup plus de... ça va faire des blessés graves plus rapidement. Parce que les mecs, ils peuvent aller se cacher, etc. Donc, c'est pas évident. Ok. Deuxième petite astuce. Les aléas. Je sais pas si vous avez entendu, il y a un camion de pompiers qui vient de passer, et du coup, ça m'a un petit peu troublé dans ma parole. Si vous allez taper des farms, allez taper avec un Belizaire en premier, en full mobilité. Un Belizaire KOKO, Belizaire Minamoto, Belizaire Pelage, etc. Belizaire en premier, c'est très très bien. Alors pourquoi? Eh ben, parce que Belizaire, déjà, il va très vite, c'est l'un des commandants les plus rapides du jeu. Et souvent, quand on va tuer les farms, on passe de mine en mine. Et en fait, Belizaire, il a une capacité, c'est que quand il sort d'un bâtiment, d'une mine de ressources, et ben ça augmente sa vitesse pendant 2 secondes, je crois. Donc c'est super important de le prendre, parce que déjà quand vous faites courir derrière, quand on vous court derrière, bah vous pouvez aller vous barrer beaucoup plus rapidement, donc c'est cool. Il y a des techniques aussi qu'on peut utiliser au kill event qui sont un tout petit peu moins cool, mais qui, bah pour les autres, mais pour vous qui sont cool. Ça veut dire, vous vous mettez à côté de la ville de quelqu'un, au préalable vous vous êtes arrangé, vous lui donnez des ressources, ou vous lui rendez l'appareil la prochaine fois, il vous attaque avec 5000 troupes par 5000 troupes, ça fait du full blessé grave en T4, et ça vous fait masse points quand ça remplit l'hôpital. Voilà. J'ai pas dit ça, j'ai rien dit, d'accord? Mais notez-le. Lundi prochain, nouvel épisode du journal du 413, donc soyez présents, mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que c'est toujours bon avoir des bonnes critiques, que ce soit positif ou négatif. J'aime bien tenter de nouvelles choses pour vous,
Du coup, rendez-moi l'appareil en mettant un petit pouce bleu ou un commentaire, c'est la récompense. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche de notification. Et surtout les amis, à très vite sur Xav the Master. Ciao.